My name is Cyril. Cyril MP4. I've been waiting for this moment for years. A long time ago. I understand. The world changed. And I've changed. You know that. When the change comes, don't be afraid. Embrace change. Ladies and gentlemen, I have to say that first change. This is not my real being. Change number two. Je me suis coupé les cheveux. Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien, la grande forme. Alors vous l'avez peut-être remarqué, ces 2-3 derniers mois j'étais pas trop présent. Je prépare plein de nouvelles choses pour la chaîne, des gros projets. Bref, ça va être complètement fou. En attendant, c'est pas le sujet, je vous expliquerai peut-être tout ça dans une vidéo. Voilà, petite fraîcheur, je me suis coupé les cheveux. J'ai toujours eu les cheveux longs, je les ai coupés, ça fait du bien. C'est cool, ils vont repousser, pas de soucis. C'est une très grosse journée. Je pense que pas mal d'entre vous m'ont connu comme ça avec les vidéos sur GTA V. Vous vous rappelez les Best of Funny Moments, les Daily Ultimate. C'était une période extraordinaire. Et Red Dead, qui est un de mes jeux préférés, du moins la série, vient de sortir son mode online. Donc je vais le découvrir avec vous en vidéo. Et je vous annonce que je referai des Best of Funny Moments et des Daily Ultimate. J'en ferai de temps en temps quoi, pas à un rythme régulier mais voilà, pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir parce que j'adore ça. Je pense que je le ferai aussi en live, je vous mets ma chaîne Twitch aussi dans la description, vous pouvez la follow comme ça vous serez au courant quand je serai en live. Ça m'avait manqué de pas faire de vidéos comme ça, j'ai fait un vlog en Afrique, pour ceux qui l'ont pas vu c'était vraiment génial, je l'ai cadré, monté, donc j'y ai passé du temps pour que ce soit top, mais c'est vrai que ça m'a quand même manqué de pas faire de vidéos comme ça. Activez bien la petite cloche parce que ça va péter, il va y avoir de la vidéo en masse, ça repart hein. Pour être sûr que la cloche est activée, il faut qu'elle soit comme ça. Ça va vous envoyer des petites notifs de temps en temps, pas tout le temps. Ça veut juste dire cette chaîne m'intéresse plus ou moins. Désolé pour tout ce blabla, mais bon, ça fait plus de 2 mois que j'ai pas tourné de vidéo, donc il faut vous donner des petites nouvelles comme ça. Ok, je risque d'être un peu excité. Il y a le mode en ligne. Oh my god, Red Dead Online Beta. Ah, je vais créer mon personnage. Cool. Waouh, il s'est fait écraser par un cheval, je pense. Comment je suis, moi? Là, je ressemble. Je pense pas que je ressemble, là. Alors, la peau, bah, peau blanche, plutôt. L'âge, je suis jeune. 24. Carrure, athlétique. Bouche. Ah, les dents, il faut les laver un petit peu. Ah, cheveux. Ah, avant, je les avais longs et tout, comme ça. Bah, y a pas de cheveux normaux, en fait. Pour une fois où j'ai vraiment la coupe de cheveux la plus basique, bah, y a pas. Bah, on va mettre comme ça. Bon, on va lui mettre une méga barbe, c'est pas le cas, mais bon, tant pis. On ira la raser. Alors, j'ai une méga cicatrice sur le front. Sur le front, la cicatrice. Allez, la cicatrice. Moi, j'avais un Nike à l'envers. Oh, il est beau, et... Eh, fais un dab, Comme ça, Waouh. Quelques mois plus tard. I was just a cowboy, you know. Le pénitencier de Sissika. C'est moi. Regardez, c'est moi le prisonnier. We need to perform a work detail out in Rhodes. Come on, get in. C'est parti Valentine, j'adore cette ville en plus. Personally, I'm against education. Of women, I mean. Ah là là, le sexiste. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Let him out. Now, please. Okay. Okay, you all run away. Aside from you. Moi? Try to stay out of trouble. How about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Here we go! Visiblement, je suis un évadé du pénitencier. Forcément, il va falloir se refaire un nom, j'imagine. On va pouvoir chasser, tuer des joueurs en ligne, créer un gang. Et là, ce sera ma première monture. Oh, un mauvais état. Oh, mon nom, il est horrible, ça fait Cyril rigolo. Ah, salut, c'est moi le bandit du Far West, Cyril Rigolo. Est-ce qu'on peut jouer en FPS? Ah ouais, mode FPS en ligne. Ouais, aïe, aïe. Ah, il y a un petit campement, d'accord, donc c'est ici qu'on arrive. Ça paye pas de mine pour l'instant. Hein. Moi j'ai l'habitude des manoirs. Hein. Je suis youtubeur, hein, donc. Hop là. Là, j'ai une grosse crotte. Bon, visiblement, je vais rencontrer mon nouveau boss, la femme qui a payé pour me libérer. Give them some fresh clothes to put on. Je vais me faire beau. You'll find a change of clothes in there. Ah, on a un lasso pour jouer en ligne. On va pouvoir attraper les gens et tout. Ça va être énorme. Par contre, j'ai aucun style. Alors, manteau. Déjà un peu mieux. Bon, le pantalon clouté. Eh, c'est moi, le clodo. Le premier objectif de ce jeu sera de s'acheter des habits. T'inquiète pas, ils ont compris, Rockstar. Possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices... You're the only other victims of their lies still alive. Donc on a un ennemi en commun et je vais devoir le tuer tout simplement. Pleased to meet you, partner. Ah, il s'est craché un gros molar dans la main. Crips at your service. And where are we headed?
définir le lieu du camp. Waouh, il y a l'air d'avoir tout un menu pour la gestion du camp, donc à mon avis ça va être un gros truc dans le online. Maintenez pour ouvrir le catalogue de poche. Ah, je peux directement acheter des armes. Waouh, c'est cher, 195 $. Waouh, 1000 $. Oh, les salauds. Attends, ça fait quoi si, juste pour voir s'il y a la réputation, tout ça. J'arrive dans le mode online. Quoi? Échec, les autorités ont été alertées. Ça commence mal, ok, j'ai compris. J'ai pas le droit de foutre le bordel, je vais faire les missions tranquille. Y'a quelqu'un? By the way, I heard you might want to earn a little money. Some gentlemen have been robbing our stages. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in Cumberland Forest. Ok, donc là, c'est parti pour la défense de diligence. La première mission, ça va être ça, un vol de diligence ou défense. Toutes les missions un petit peu secondaires. Visiblement, je suis tout seul en plus là pour le moment dans la map. J'ai pas encore vraiment rejoint le mode online. Là, je suis plus en prologue, en fait. Chercher le repère. Bah, pas dur, là-bas, il y a de la fumée. Ils sont là-bas. Rejoignez le repère. Éliminez les hors-la-loi. On va tenter une approche à la Metal Gear. Ok, il y en a un qui est parti là-bas dans la forêt. J'y vais. C'est moi, le bandit, Cyril Rigolo. Tout le monde a peur de moi dans la forêt. Je me suis fait... Non. Ah. Non, il s'est retourné. Bon bah tant pis, hein. Visiblement, c'est pas trop fait pour l'infiltration. J'ai une vieille arme toute pétée là. Hop là, headshot. Je recherche tranquillement, hein. Je suis juste venu piller votre repère, quoi. Vous me connaissez peut-être, Cyril Rigolo, le bandit de l'Ouest. Attends, je vais me le finir, je vais faire un petit finish. Paf. Voilà. Donnez-moi tous vos sous. Donc là, on part carrément en centimes. Je gagne 10 centimes par... Ouais, j'ai 7 centimes. Je suis riche. Ok. Ouais, y'a un mec là. Attends, je me sers. Le monde qui vous entoure est influencé par votre honneur. Épargnez le bandit pour augmenter votre honneur. Trop cool. Don't kill me, please. Vas-y, moi je prends la carte. Moi, je suis vraiment gentil comme bandit. Hein. Merci. Je t'épargne, bandit. Retourne vaquer à tes occupations. Aidez bien à tes copains qui viennent plus faire chier dans la forêt. Et il m'a donné une carte au trésor. Génial, oh là là. Fouillez la zone pour trouver le trésor. Et il faut que je trouve un nom aussi à mon cheval. Mettez en commentaire un petit nom de cheval sympa. Pas des trucs genre fils de pute, nanana. Mettez un petit truc cool. Genre le grand JD. Allez, grand JD. Ya. Ya, grand JD. Ya. Oh, il y a un cerf. Désolé. C'est la dure loi de l'Ouest. Je peux le dépecer et tout, hein. Ça fera de petit argent de poche. Ok, c'est quelque part ici. Alors... Ah oui, on le voit directement comme ça. C'est pas très... C'est pas ouf. Oh, regardez. On a des petites interactions. J'ai l'air tellement débile. Oh, la violence. J'espère qu'il y a un maximum de thunes. C'est un lingot d'or, ça. Et bonsoir. On continue l'émission. Harley vous a conseillé d'aller voir Clay Davis, un reseller, pour en savoir plus sur le trafic de chevaux. Non, mais le truc, c'est un let's play, quoi. Il y a plein de missions et tout, plein de scénarios, c'est trop cool. Waouh. C'est qui? C'est des joueurs, ça? Ah ouais? Regardez, c'est des gens. J'espère qu'ils ont du talent, hein. Did Harley send you, Pop? So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates. Ils sont tous en train de voter pour passer la cinématique. Je ne voterai pas, j'adore les cinématiques. Ouais, j'en étais sûr, c'est des chevaux volés, tout ça. Va falloir les récupérer, tuer les gens qui l'ont volé. Alright. Je suis parti avec ma bande. Alors attends, moi, premier truc que je vais tenter, c'est de faire des emotes. Hey les gars, attendez, je te fais coucou. Hey. Regarde-moi! La vieille bande toute pourrie. Ils sont pas dans le RP, l'amitié, se faire des copains, tout ça. Et tout ce qu'ils veulent, c'est du fric. Ah, ils sont là. Hé, les gars! Hé! Oh, ils sont quand même en mode infiltration. Hé, c'est qui le leader de la bande, les gars? Parce que moi, je veux bien. Oh, mais il a commencé à tirer. Suivez-moi, camarade! Ah! Nique sa mère! Avec moi! Paf! Oh, j'adore faire ça, moi. Hé! Paf! Rien à péter! Oh. Salut. Moi par contre, tu vois, je suis plus malin. Je vais aller dans la maison et je vais tout cambrioler. Si je veux bien. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Je ne fais que rentrer. Vous avez quoi? De l'or? Des pièces? Ah, des cigarettes. Hop ça. Voilà. Hop. Alors on y va. Allez, hop là. Oh, oh. Ouh. Ah bah là, on a... Le pire. Ah. On m'attaque, au secours. Au secours. La bande à Bilel. Ah là, il y a plein de cadavres, regardez. Ils ont fait un petit massacre. Monsieur, le cheval là, il y a un petit problème, non? Un peu de grisou. Bah, c'est le mien d'ailleurs, non? C'est stylé parce que du coup, ils ont pas eu besoin de m'attendre vu que les cinématiques sont personnelles. Here's the money you earn. Ah, ouais, je vais prendre une assurance pour le cheval. En attendant, je vais l'appeler Grand JD. Et de toute façon, je pourrais changer le nom, hein, pas de soucis, vous me dites en commentaire. Il est là, le camp! Hey, sympa! Complètement vide. Hello there. Welcome home. Make yourself at home. It is
you're home. On y est les amis, Red Dead Online. Oh là là, ça fait plaisir, hein, vraiment. Eh bien le bonsoir Valentine. On va se faire une petite beauté. Donc là c'est bon, là il y a toutes les activités, il y a le saloon. Eh salut. Est-ce qu'il y a des nouvelles coupes? On va se mettre les cheveux à l'ancienne. Ça coûte une fortune. Là ce serait déjà pas mal. Ah merde, je l'ai acheté. C'est même pas la bonne couleur. Bah du coup j'ai plus de sous, nickel. C'est de ta faute. Baston. Oh comme il a volé sur la chaise. Eh, il sort ses flingues. Ah, je voulais juste me battre. Oh shit, ça commence mal. Moi je voulais juste une bonne baston, hein. Oh, j'ai envie de me battre. J'ai envie de baston. Ah, baston avec un joueur LB12 là, je vais te niquer. Oh merde. Je l'ai tué. Non, je voulais me battre moi en fait. Il y en a qui arrivent derrière moi là. Et toi là. Eh, regarde ce que je vais faire, regarde ce que je vais lui faire. Regarde ça, regarde ça. Hop là. Allez monsieur. Alors mamelle 02 là. Hein. Fais-moi le malin maintenant. Tu sais comment je m'appelle moi? On m'appelle Cyril Rigolo. Attends, mais c'est-à-dire que je peux vraiment le ligoter du coup? Il doit avoir trop le seum. Allez mamelle. Oh oh, là c'est Albeka12, je l'ai tué juste avant, il va peut-être vouloir me tuer. Oh le pauvre, il doit avoir le seum. Parce que là il peut plus jouer mamelle. Mamelle. Oh, il s'est libéré. Oh oh. Oh, il y a Albe12 qui vient sauver aussi. 1v2, rien à foutre. Oh, il utilise son arme. Oh les lâches. À deux GT comme ça, 1v2. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Oh oh, je me suis rompu de cible. Non, c'est les flics. Ah. Allez, on se barre, hein. Il ouvre mon cheval. Ok ok, on va passer par les toits comme dans le premier, comme Dutch. Ah, il ouvre mon cheval. Grand JD. Qu'est-ce qu'il fout le grand JD? Je vais me cacher dans le saloon. Ah c'est bon, j'aurais échappé là. Le fugitif. Il n'y a pas un endroit pour se cacher. Ah non, ils m'ont vu. C'est foutu. Je vais finir ici. C'est ici que tout s'arrête. Tout ça, c'est à cause d'Albe12 et de Mamel 02. C'est pas moi que vous voulez. C'est Mamel 02. Mon cheval, il veut vraiment pas venir, par contre. Ah. Oh, putain. Ah, il est là, il est là. Grand JD. Putain, je te cherche depuis tout à l'heure. On se casse. C'est l'aventure qui commence, les amis. Aïe, aïe. N'avez pas une dans le fion. Non. Mais putain, je vais vraiment pas m'en sortir. Vous ne m'aurez jamais vivant. Cyril Rigolo. Je reviendrai avec ma bande. Allez. C'est fini pour moi. Il n'y a qu'une seule solution. Ok. Donc là, c'est parti pour un deathmatch, je pense. Ennemi public. Une course tactique jusqu'au sommet. Chaque victime vous fait monter dans le classement, mais faites attention. Plus vous êtes haut dans le classement, et plus vous rapportez de points à ceux qui vous tuent. D'accord. On peut jouer jusqu'à 32. Wow. Let's do this shit. Ennemi public. Et c'est parti. Cyril Rigolo. Merde, je n'ai pas de crédibilité. Éliminez les ennemis. Ok, là-bas. Ah, holy shit. Ah, il est juste là. Wow. Je l'ai eu. Mon premier kill. Est-ce que... Ah, oh, je me suis pris une tête. Derrière moi, derrière moi. Il est là, salaud. Il est là-bas, il est là-bas. Allez hop, one shot. Il me semble que quand on sprint, normalement, on est visible sur le radar, donc vaut mieux faire gaffe. Ils sont où? Où tu te caches, Philippe? Là-bas, là-bas. Genre... Hein? Hein? Alors? Derrière moi, derrière moi. Wouah. Wouah. Wouah, je suis un gibier. Il me chasse comme du gibier. Wouah. Wouh. Oh, je l'ai eu. Oh, le brain. Je suis derrière moi. Oh là là, je suis chaud. La première game de Cyril qui fait la différence. Le coquico mortel. Lâché dans la forêt. Mais ils sont où là? Wesh. Zut. Qu'est-ce que vous foutez là? Toi, tu quoi? Oh là là, j'ai galéré. Il est où? Ah, il est mort. Il y a quelqu'un qui se masturbe dans la game, je crois. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Il est pour moi. Voilà. Oh oh, c'est ça que tu veux faire, garçon? Nique sa mère! Oh, je l'ai touché, merde! Match perdu. J'ai fait du 12-7 pour une première game, ça va. Ah, j'ai gagné 7$, c'est cool. Pour m'acheter le pistolet à 1000$, ça va, c'est pas... Bon les amis, on arrête ici, hein. Vous avez vu, il y a un tas de trucs qui nous attend. Laissez un maximum de pouces bleus si ça vous plaît, si vous êtes pressé. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a un vlog qui est sorti. Je le mettrai juste après, n'hésitez pas à cliquer. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.